Bonjour les amis, c'est Jody Dream, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un petit let's play d'un jeu qui est gratuit en fait, que vous pouvez avoir sur le Nintendo eShop en fait. Bah, vous avez pu voir, donc c'est Pokémon Shuffle. J'avais envie d'un petit peu y jouer, un petit peu qu'on partage un petit let's play ensemble. Je sais pas si je vais faire d'autres épisodes. Oh oui, mon reflet. D'autres épisodes, j'ai encore la voix qui part un petit peu en cacahuète, donc c'est aussi parfois que je mette la pause pour tousser, je m'en excuse déjà. Donc voilà, j'ai commencé déjà à bien jouer sans vous. Je vais vous montrer tous ceux que j'ai attrapés. Chaque fois que vous voyez une petite Pokéball, ça veut dire que je l'ai attrapé. Là ici, ce sont des shiny, donc ça veut dire que j'ai... Enfin, pas des shiny, des méga évolutions. Ça veut dire que je les ai eues. Donc voilà, je vais pas mettre le son trop fort au cas où on met un trait pour les droits d'auteur et tout ça. Poussifeu, je l'ai pas encore eu. Donc voilà, j'ai juste Poussifeu et... aussi Arco, voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, c'est un petit jeu qui est un peu comme un Candy Crush. Vous allez très vite comprendre. Donc on va, je pense, je vais réessayer de capturer Pikachu. Donc ici en fait je dois avoir que 3 Pokémon ici. Quand je fais auto, le jeu me choisit automatiquement les Pokémon, mais il me laisse toujours, je vois Fampi, bah oui, qui est un Pokémon sol, qui est, je pense que c'est un sol si je me trompe pas, qui vient contre les Pokémon électriques fatalement. Donc voilà, donc je peux acheter des bonus si je veux, des coups plus 5, vous savez ce que c'est les coups, l'expérience, retard d'entrave et tout ça. Vous allez comprendre assez facilement, c'est vraiment très très facile à prendre en main. Donc je dois finir en 7 coups, donc 7 fois, donc je peux, donc en fait le but, excusez-moi je m'en mêle, est d'aligner 3 Pokémon, donc voilà, par exemple si je fais, hop on va faire ça. Là j'en aligne 5, il me faut en aligner 3 minimum. Et donc bah, quand vous en alignez 3, bah, le coup, voilà, votre coup est valide. Et donc là j'ai déjà fait un coup, là j'en aligne 5, mais donc plus vous en alignez mieux c'est. Hein. Donc ici j'ai plein de Kangourex et donc j'aligne, hop, Kangourex encore. Et quand vous faites des combos, bah voilà. Et alors là le Pikachu là me met des entraves, il m'ajoute des têtes de Pichu et de Pikachu. Et c'est pas idéal. Ouais, allez. Bof. Donc je suis pas la meilleure joueuse du monde, hein, je l'avoue, hein, je plaide coupable. Là j'ai fait un bon combo, là 4 combos. Et donc le but aussi c'est de réussir à donc baisser la jauge de vie du Pokémon en le moins de coups possible. Donc là il reste plus que ça, donc voilà, il me reste encore 3 coups. On va essayer de le bousiller avec... je sais pas, moi il n'y a pas de... Ouais, non, je sais pas faire un autre vampire. Ah si, voilà. Voilà. C'est de vous montrer voilà les coups bonus. Donc il reste 2 coups. Et voilà. Et donc en fait, ça me donne donc un pourcentage de chance à la base de l'attraper. Et donc il y a un pourcentage qui s'ajoute avec les coups restants. Vous allez voir. Donc il y a 30% de chance de base de l'avoir. Et hop, ça monte à 50% grâce aux 2 coups qui restent. Donc je suppose un coup de temps. Donc je dois toucher la Pokéball. Hop, ça l'envoie. On va voir si je vais l'avoir. Non, je l'ai pas eu. Oh, dommage. Dommage, dommage. Limite, ce qu'on va essayer de faire... Bon, de toute façon, mon Kangourex, je vois que... ouais, il y a un petit truc en plus, c'est bien. Donc, ce jeu. Ce jeu est gratuit sur l'eShop, mais vous avez une petite limite. Vous avez 5 vies et une vie en plus toutes les demi-heures. Donc, toutes les 2h30, vous pouvez jouer au jeu tranquillou. Donc, voilà, c'est la seule limite qu'il y a dans le jeu. Donc voilà, excusez-moi si je passe un écran comme ça, mais c'est plus facile pour moi, la caméra est posée et j'ai pu essayer de tenir ma 3DS de mes deux mains pour le faire. Donc ici on a Ténéfix, on va essayer de le capturer Ténéfix, on va mettre auto, qu'est-ce qu'il me conseille? Ah, il me conseille ça. Bon, on va faire ça comme ça. Hop, il me conseille le petit Togepi. On va faire avec des Togepi. Donc il faut aligner des Togepi et des autres Pokémon pour pouvoir réussir. Donc, waouh, ok. Et donc aussi un truc qu'il y a, c'est que donc, vous voyez une petite chose sur le côté. Là, c'est la jauge de méga évolution de mon dans mes oui. Quand j'alignais plein de dans mes... Donc chaque fois que j'aligne 3 dans mes oui, bah ça, la jauge monte. Une fois qu'elle est au-dessus, paf, j'ai plein de méga évolution. Et là, vous pouvez vraiment faire des combos vraiment chouettes. Donc voilà, hop.
Ah oui, je fais n'importe quoi. Voilà. 4. Donc là, en 14 coups qu'il faut réussir. 14 coups minimum. Bon. Ça va pas être easy peasy. Donc parfois l'idéal c'est d'échanger vraiment, d'essayer de faire plusieurs coups à la fois. Hein, parce que parfois en un. Donc un coup c'est un échange. Donc, mais parfois vous pouvez échanger deux Pokémon et aligner, en aligner 6. Enfin voilà quoi. C'est. Voilà, donc j'essaie un petit peu de voir. Vous montrer, c'est pas facile de faire un let's play de ce jeu et de réfléchir en même temps. Par exemple, regardez, il y a ici, je vais mettre échanger le nom, mais oui, ici, avec le Togepi, et ça m'a regardez. Hop, ça m'en fait 6 d'un coup, en fait, vous voyez. Si je pouvais échanger contre le truc là, le. Enfin, vous avez compris là, le Fampi. Voilà, le Fampi contre un Togepi. Voilà. Même pas un Togepi, mais enfin ouais. Vous avez compris, je suis en train de m'emmener. Enfin, le Fampi contre, ouais. Je réfléchis à vous en même temps, donc je suis désolée si parfois ça, c'est pas très. Y a pas beaucoup de concordance dans ce que je raconte. Ah, regardez, là ici, hop, j'en fais encore deux. Mais oh là, même 9, là c'est bon là. Allez, hop, c'est encore là. J'essaie vraiment de garder la caméra bien visible pour vous, je suis désolée si parfois ça bouge. Hop, on va verser ceux-là, voilà. Oula, le fait que c'est gelé, ça c'est pas bon, ça va nous faire ça pour un peu dégeler. Voilà, on fait deux coups en même temps. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, on peut faire ça, ça fait 4, ouais. On va verser ces deux-là. Voilà, ici la jauge de mais non mais oui est full. Donc j'ai que des trucs. Donc là je peux. Là vous voyez ça fait des plus gros. Ça tape plus fort en fait. Hop, c'est parfois je fais même des combos et ça c'est génial. On va faire quoi? On va faire ça. On va faire ça. Voilà. On va faire même ça. Et voilà, on a fini, donc il reste deux coups. Donc grâce aux deux coups bonus, on aura encore peut-être un peu plus de pourcentage de chance de l'attraper. Donc combien de pourcentage de chance avons-nous? Donc économie coup plus 1000, ok. Je sais pas si vous comprenez bien le concept de ce jeu. On a 55% de chance de base de l'avoir et 61% de chance maintenant avec les coups en plus, ok. On va voir. C'est pas grand-chose, mais bon, enfin je trouve que c'est pas beaucoup. Ah là là, c'est vraiment de la merde. Bon. Funessir, je vois qu'on a débloqué Funessir. Si je les attrape pas maintenant, je les prends, j'essaierai de les capturer hors caméra. Hein. Oula, le Funessir c'est pas idéal, ouais, ok. On va me mettre auto, on va voir ce que je peux mettre à la place. Ouais. Non, on va faire ça. Ici donc, on peut choisir automatiquement 4, mais on peut aller choisir les autres. Ça vous aurez tous les Pokémon que j'ai. On va peut-être mettre cela, même si c'est pas. Ouais non, bof. Mettre celui-là là alors, même si ça change pas grand chose. Attendez, non, on va faire ça, on va le mettre en auto. Ok, bon, il nous conseille rien d'autre, mais non mais oui c'est vraiment pas idéal, donc on va essayer de mettre autre chose. Je sais pas quoi mettre, parce que ce qu'il y a c'est qu'à l'avant on peut mettre que ceux qui sont, enfin pas que ceux qui sont méga évolués, mais si vous avez un Pokémon qui peut méga évoluer, il faut le mettre devant obligatoirement. Qu'est-ce que je peux mettre? Oh, si je vais quand même mettre je vais quand même garder le méga évolué. Parce que je peux quand même en faire péter plusieurs. Même si à la base il fait pas beaucoup de dégâts. On va quand même essayer. Hein. Donc je vais pas prendre de bonus. Je préfère garder mes pièces pour essayer d'économiser pour des bonus un peu plus importants. Comme bah, parfois on peut attraper des. Enfin, on peut avoir des Super Balls. Donc, je dois finir en 16 coups celui-là. Bon, ouais, ça va pas être évident. Voilà, super efficace. Qui vient de me dire j'essaie de réfléchir pour vraiment bien faire ça. Je sais si parfois je me tais. D'ailleurs, je vais carrément couper la musique. Je mettrai une autre musique peut-être ou quoi, je pense. Je vais voir au montage de cette vidéo. Oups, voilà. Toi.
Voilà, c'est pas grand chose, hein. C'est pas tip top. C'est vraiment pas tip top. Par contre, je vois que là, regardez, la jauge est presque full. Bon, on va faire ça. On va faire ça, voilà, comme ça on peut davantage péter de trucs. On va faire ça. On va faire ça, voilà. Ouais, c'est déjà mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est déjà beaucoup mieux. Hop, voilà, encore. Et là, je sens qu'on va pouvoir, là les gamins, s'éclater. Voilà. Et un dernier, hop, et voilà, c'est super efficace. Donc il reste 3 coups. J'espère qu'on va l'attraper, et celui-là, s'il vous plaît. J'espère qu'on va le choper, ce petit 40 57. Je sens qu'on va encore passer à côté parce que avec la chance que j'ai, je sens venir qu'il va nous filer sous les doigts. Bah voilà, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Ils mettent un pourcentage de chance, mais je suis sûre que c'est moins que ça. Ah non, mais oui, qu'après un niveau, super. Parce que oui, quand vous réussissez les combats, vos Pokémon gagnent de l'expérience, bah, comme dans les combats de Pokémon, quoi. Donc il me reste 2 vies à... Oh, c'est cool, ça, moi, comment il s'appelle encore celui-là? Corillon, Corillon. Oh, bon, voilà. On va essayer de se battre contre lui, hein. Hop, oh, allez, on y va. En 15 coups, celui-là. Je sais pas si vous comprenez, maintenant, le truc est assez facile, hein. Rien de compliqué. Vous devez juste aligner des Pokémon par 3, quoi. Et là, on vient de faire un super combo, ce qui est super chouette. Ouais, on va faire... On va faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah regardez, hop. Non mais oui. Voilà, ça c'est bon. Oh. 7 combos, 8. 8 combos. On a fait un combo du donc 8 fois le truc. Ça c'est bon. En gros, on a fait 8 coups en gros pour que vous puissiez. J'essaie de vraiment que, faire en sorte que vous compreniez facilement. Ouais. Là, j'essaie de regarder parce que voir s'il n'y a pas moyen de faire un truc bien avec les chats là. Voilà, ouais, voilà. Ça, c'est bon, ça. Voilà. Ouais. Oh, mais qu'est-ce que je fous maintenant? C'est ça que je voulais faire, voilà. Je fais n'importe quoi. Et là, hop, on échange. Et il reste 8 coups. Et il nous reste 8 coups et on l'a fini, on a fini qu'un combo de 4. Ce qui est pas mal. On a un peu plus de chance, je pense, de l'attraper maintenant. Économie de coups, plus 4000. Ça c'est bon. Ça, là, on a bien joué. On a bien joué. 80% de chance de l'avoir. Ah, ça c'est bon ça. 96 grâce à l'économie de coups. Et là, si je l'ai pas, ce sera n'importe quoi. Yes! Ça c'est bon ça. Nice, on en a un en plus. Et on a de... Oh, trop mignon, si croquin. Attendez, là je vais juste mettre. Oh regardez, hop, bam, plein de Pokémon pour essayer de le choper. On y va. Donc je pense donc ça sera notre dernière vie. Ça doit être plutôt court, hein, si j'en fais d'autres de ce jeu, vous me le dites, hein, si vous aimez bien. J'ai plus qu'une vie, donc ça sera ma dernière vie. Donc voilà, vous savez que on approche de la fin de la vidéo. Donc en 16 coups, donc on va essayer de se donner pour cette dernière vie. What? Ça a fumé la moquette, le truc. C'est pas grave, on va essayer de faire ça bien. Ouais. Voilà, ça va être chaud à faire, les gars, mais chaud boulette. Je vous raconte même pas. C'est pas grave, on va essayer de débloquer les trucs là. Voilà. Attendez, est-ce que moi, je cadre comme un cul. Voilà, ça c'est mieux. Comme ça. Oh là là, c'est vraiment. Ça va pas être évident, moi je vous le dis. Mais alors là, vraiment pas du tout. Faut que je regarde bien ici aussi à côté si je peux pas aligner. Parce que je sais pas, ici, je sais pas échanger de place parce qu'ils sont gelés en fait. Mais là, je peux le faire. Mais je sais quand même aligner. Par exemple, regardez là. Hop, voilà. J'ai pété un petit peu la glace là. Là ici il y a moyen de faire un truc.
Voilà, comme ça il méga évolue et je pourrais plus facilement péter les trucs. Déjà, hops. Hops, voilà. Voilà. Faut que je surveille ma jauge, mais ouais, 6 coups, voilà, ouais. Voilà. Bah les amis, c'est pas du gâteau, hein. C'est pas évident, évident. Alors j'ai plus qu'un coup, voilà, ok. Donc j'ai, il restait tout pile un coup. À mon avis, ça va pas être, ouais, plus 500 points d'économie de coup. Ouais, c'est pas tip top. J'espère qu'on pourra, qu'il n'y a pas trop de difficultés de base. 70, ça devrait aller. Bon, allez. Peut-être qu'on l'aura. Peut-être qu'on l'aura. Voilà, on l'a eu. Yes, on a quand même eu deux Pokémon. Voilà. Notre petit ici qui a pris aussi un petit peu d'expérience. Yes, ça c'est bon ça. Et ben voilà. Et donc, ouais, je vois qu'ici on a eu truc Luciole. Luciole, ok. Bah écoutez les amis, c'est ici que je vous laisse avec ce let's play, donc j'espère que vous avez bien apprécié et que bah, vous apprécierez, enfin j'espère que vous apprécierez cette vidéo et de découvrir ce petit jeu. Si vous y jouez, bah, n'hésitez pas à me le dire, ça sera avec plaisir que je lirai vos commentaires, tout de même vos conseils, hein, vous n'hésitez pas. Tant que c'est constructif, moi ça me va, c'est nul, vous pouvez vous les garder, comme d'hab, hein. Donc voilà, je vous fais plein plein de gros bisous, et à bientôt, ciao ciao!